qui vient participer, ou bien ramasser tout ça qui a dit là sous table pour le faire pour la soirée. Effectivement, 28 février, c'était fait 6 mois depuis l'assassinat de Maître Dorval. C'était une occasion spéciale pour nous de profiter 2 heures ou 3 heures avant le démarrage marche là pour nous aller sur les lieux du crime. Nous avons la caille Maître Dorval, côté de tué là, pour nous déposer de façon symbolique mon geste de fleurs et pour nous défendre cérémoniel rapidement pour nous être capables de rappeler à tout le monde que nous ne pouvons pas oublier Maître Dorval. Combat ça a son combat, j'aime tout côté et démarche ça et tout, activité dans plein air, nous voulons rappeler à tout que l'assassinat de Maître Dorval doit servir en rupture à l'impunité en Haïti. On monde qui finit, tout le monde virer de l'aléa, à manger cabrier, à aller boire du vin, après ça, bye pour black, aller dans la plage, pour plaisir, et puis pour les blagues, tout le monde a souffert. Pour dire que ça va finir. Et c'est responsabilité. Est-ce que quelqu'un qui a mis en compte dans la main des matchs là? Oui. Est-ce que ça veut dire qu'il y a toujours bien réservé? Non. Donc c'est ça qu'on a mené, c'est combat qu'on a mené à côté de tout l'autre sac qui a fait. Contre question dictature, moi-même, ça, c'est un moi vraiment détesté. Nous n'avons pas accepté tout, tout d'autant que nous avons question de droit. Nous, en tant que représentant de la Fédération des barreaux et secrétaire de l'autre barreau pour le prince, comme avocat, qui a un bon titan. À défendre droit monde, nous disons pas pour retourner dans la bagarre comme ça encore. Avec question, au grand monde, m'a dit ça, son témoignage. Au grand monde qui bat dans l'autre monde, lui, PTG au monde, ou monde n'a pas de plainte, la justice a arrêté le monde, et puis au ministre de la justice, faut qu'on téléphone, et puis on l'a gagné. Bon exemple, et ça fait fouiller. Au monde, il commet une infraction au vu et au su de tous. La justice, les gens qui sont victimes, allez à la justice et puis la justice il prend la voie légale. Donc ça n'est pas normal dans l'état de droit. Et nous avons promis pour nous continuer à pousser les responsables, les dirigeants. J'aime toujours dire, ou pas qu'à chef, ou pas qu'à responsable, et puis c'est pour nous, pour ne pas prendre responsabilité. Et nous tendez, je dis, matin avant de venir là. Des autorités qui placées pour assurer le bien-être de la population, qui a plaigné même Javert, et qui, entendez, monsieur l'ancien président, dit, c'est qu'on y a, il fait réunion d'urgence pour statuer sur question de kidnapping, alors que depuis date qu'on a victime dans le kidnapping. Donc, tentative, nous-mêmes, nous avons un avocat, nous avons 3 avocats qui ont kidnappé dans la Fédération des barreaux. 3 avocats. Et c'est contre rançon. Et ça te fait mal plus. Matin, on entendait un responsable, un gros responsable, à parler de la question de kidnapping sur une victime, il faut le côté plainte. C'est à partir de plainte qu'il a réagi. Nous allons dans le DCPJ et puis la police dit non. Il n'y a rien chose, non. Et négocier pour négocier. Et ça, nous, c'est inacceptable. Et ça, nous ne pouvons pas accepter. En aucun cas, nous-mêmes, dans la Fédération des barreaux, nous ne pouvons pas accepter. Et la population ne doit pas accepter ça. Nous ne pouvons pas gagner des gens, nous avons payé des taxes, nous avons touché l'argent, nous avons tout privilège, et puis vous n'acceptez ça nous-mêmes. C'est pour la population révoltée, c'est pour la population levée et dire non, non, non à pratique ça. C'est ça que je voulais dire. Combat Maître Dorval là, nous continuons à mener, même si nous parlons encore, quel autre monde qui est pide, et toujours dire. Et m'a répété encore. Nous disons que les Maître Dorval te mourir. Les racines sont profondes et nombreuses pour éviter tout ce que nous. Merci à vous. Peuple haïtien, voyez un signal clair par le monde entier pour vous dire que vous n'avez pas quitté aucun groupe monde. Mettez pieds sous coup, peuple encore. Peuple haïtien dit, leçon que ancêtres nous ont été 1804, c'est leçon ça, c'est idéal ça à poursuivre, à savoir idéal pour peuple ça vivre dans liberté et bien-être. Et dans ce sens ça, quel que soit obstacle qui campe devant peuple là, il est nécessaire pour nous continuer bataille là jusqu'à ce que nous lever tout obstacle. Et pour idéal liberté et bien-être qui a fleuri en Haïti pour tout le monde. C'est message que le peuple a porté jour qui était 28 février 2021. Et nous-mêmes qui avons joué rôle porte-drapeau
dans bataille ça, nous lancer appel par tout secteur pour nous dire rester mobilisé. Nous connaissons ennemi liberté et bien-être yo pas jambe bat bat comme ça si ne pas continuer gonfler force nous pour nous faire une seule et pour nous faire merveille ça tourner réalité en Haïti. Dans un petit temps qui pas trop loin, population bral informé de l'autre étape dans lutte ça nous dit qui pas coûte et c'est peut-être ça nous mandé yo pour yo rester mobilisé et puis tant mot donne. Nous prenons tout que gagner de secteur qui t'est positionné par rapport à crise que pays a là-dedans là. Gagner de secteur qui t'est positionné par rapport à la fin de mandat de monsieur Jovenel Moïse comme président paysan. Secteur ça t'est positionné autour contre insécurité, contre kidnapping, contre la peur, contre la violation des droits humains. Mais nous pouvons voir le secteur ça yo dans activité et action qu'a posé pour nous gonfler force nous pour nous faire échec à plan ni monde international ni monde et au niveau local qui voulait continuer fouiller tout malin peuple haïtien. C'est peut-être ça nous demander secteur ça yo pour rentrer dans mobilisation et tout l'autre secteur qui déjà dans mobilisation nous demander yo pour nous mettre tête nous ensemble pour nous faire une large concertation pour nous proposer par la nation de solutions concrètes, de solutions novatrices qui permettent de ne pas gagner des gens qui vivent dans la boue la saline encore, de ne pas gagner des gens qui vivent dans la boue cité soleil, de ne pas gagner des gens qui n'ont pas droit à mon bien-être, à mon la manger, à mon dormir, à mon l'éducation, à mon santé. C'est sans bataille que le peuple haïtien a mené. Et nous croyons que les gens qui disent jouer le rôle dans les batailles, gagne nécessité journée et aujourd'hui pour nous dépasser clivage, pour nous dépasser intérêt personnel, pour nous faire une large concertation, une vraie concertation, pour nous porter une solution concrète, durable et novatrice qui est capable de soulager le peuple et qui est capable de boucher tout malin, un paquet de monde qui croit que c'est eux-mêmes seuls qui ont droit à jouir bien-être de la population que Haïti a offert pour nous boucher tout mal et ça et pour nous créer l'espoir pour chaque petite tête d'Haïti. Merci. Mes amis, nous sommes capables de remarquer et nous tous les avec Dena Wenu dimanche dernier comment la population l'été sorti en masse pour être capable de marcher et pour te dire que mandat constitutionnel président pour rappeler que le fini. Nous voulons demander avec tout le monde également pour nous toujours été mobilisés. Bataille ça, son bataille qui longue. Mais en vérité, mon courage n'a privé quand même. Mardi dimanche 28 février, l'été semblait coup de goutte de l'eau avec un référendum que nous avons lancé contre dictature, ensemble avec contre insécurité, avec kidnapping qui a pas valé terrain, avec injustice qui gagnait. Et puis, nous sommes capables de dire également à ceux qui gagnent contre la démocratie. La population a réaffirmé encore dimanche dernier pour tout le monde que le mandat président est fini. Donc, la conférence ce matin, qui est la commission fédérale, faire commission protestante contre la dictature en Haïti, la fédération des barreaux également marche pour la vie. Je remercie tout le monde. Je remercie la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne pour support nous. Nous disons carrément
Si ce n'est pas nous-mêmes, nous devons faire ça, nous ne sommes pas capables d'arriver côté nous arriver là dimanche en dernier. Et pour finir, nous sommes capables de nous remercier M. Jovenel qui vous a eu tweet pour le sympathiser avec Moun qui était tombé. Mais nous pensons qu'il était capable de faire plus que ça. Parce que nous avons besoin de sympathie dans la Saline, Belin, avec un docteur Hems qui mourit quelques heures avant le match là. Nous-mêmes, nous n'avons pas de sympathie. Et alors nous-mêmes, c'est avec eux que nous sympathisons. Donc mes amis, restez fermes, bien mobilisés. Victoire finale là, privez l'en nous quand même. Merci. La première, c'est tous les amis nous dans la presse là, qui est présent là matin avec nous, côté que nous venons couvrir la conférence conjointe à Cap-Bayer par trois entités. D'abord, c'est la Commission protestante contre la dictature en Haïti, ensuite la Fédération des barreaux d'Haïti, et enfin, la marché pour la vie. Donc, la conférence là, c'est pour nous bailler ou bien apporter quelques éléments d'éclairage par rapport à la mobilisation historique qui était faite le 28 février 2021. J'en ai capable de constater, jeudi 28 février 2021, il y a plus qu'un million de monde dans Port-au-Prince, et sans compter plusieurs dizaines de milliers de monde qui étaient dans la ville de province. Il y a des Kaouais, par exemple, ça a été passé au Cap-Haïtien, Jacques Mel, entre autres. Donc vraiment, c'était la population dans son ensemble qui était campée. Donc c'est un véritable succès. Donc on a rappelé deux objectifs. Marche 28 février. D'abord, la population haïtienne a signifié à M. Jovenel Moïse que le mandat constitutionnel présidentiel la libre enfin le 7 février 2021, conformément au deuxième alinéa de l'article 134.2 de la Constitution et l'article 239 du décret électoral du 2 mars 2015. Deuxième objectif, là, c'était dire à la coopération internationale, là, notamment la mission onusienne, BINI, que mission, c'est garantir l'état de droit, c'est contribuer à la construction du processus de démocratie en Haïti et non pour une dictature en Haïti. Parce que nous rendons compte que la dictature ça, que M. Jovenel Moïse installé dans le pays, et c'est grâce à support de la coopération internationale là, dans son ensemble. Donc, nous venons rappeler, et mandat en tant que mission onusienne qui définit à travers la Charte des Nations Unies et les différentes résolutions adoptées par le Conseil de sécurité. Donc, on a dit à tout pays membre de la coopération internationale, notamment BIN, qu'à partir du 28 février, il doit tendre la population. Il doit exiger que M. Jovenel Moïse quitte le pouvoir, qu'il occupe. Grâce à Gang Nio, grâce à la grande corruption, grâce à l'institution qui est vassalisée, la peur qu'il installe un peu partout dans le pays, notamment dans le quartier populaire, côté que le contenu mounio n'est pas capable d'exercer les droits humains, et surtout, c'est en raison de violations systématiques des droits humains qui ont fait un peu partout dans le pays. Donc, je vais passer la parole à Pasteur Ismaël, qui va continuer ensuite, Pasteur Bataille. Pour retourner sur le contenu machin. Et enfin, nous allons gagner Georges Wilbert Franck qui va présenter nous la perspective que nous gagnons par rapport à cette grande mobilisation qui était initiée depuis le 10 décembre, qui continue le 14 février et qui a continué encore, qui était continué le 28 février et qui va continuer dans le cap venir. Merci.